Bonjour tout le monde, c'est Axe45 et je vais vous faire une petite vidéo sur Golden Axe, le tout premier de la série. On va commencer par les options. On va s'ajouter un peu de vie parce que je suis franchement plutôt mauvais. Faut le dire. C'est une émulation PC donc c'est assez compliqué. Je prends. Allez, va pour le nain. J'ai envie de m'éclater. Donc voilà, c'est un petit jeu d'arcade. Donc en gros, l'histoire c'est le Defender qui est en fait le méchant du jeu. En fait, il a attaqué le château et il a pris le roi et la princesse en otage. Son ami Alex, son bon ami d'ailleurs, a été tué dans la bataille et ils doivent le tuer pour restaurer la paix dans le pays et c'est son devoir en fait. Voilà, donc on va commencer tout de suite cette mission que l'on nous a confiée. Donc je vous rappelle, ceux qui connaissent pas, qu'on peut courir comme ça, frapper, sauter, combiner le saut à frappe, sauter plus haut en courant. Donc là, les premiers ennemis. Tous les moments, on me dirait que je peux continuer parce que je suis plutôt mauvais et donc je vais essayer d'être le plus loin possible. Donc je pense que cette petite vidéo devrait durer, à mon avis, une petite demi-heure, pas plus. C'est vraiment pour faire découvrir les gens. Si vous ne le connaissez pas, bien sûr, si vous connaissez, évidemment, je ne vous fais pas découvrir. Pour moi, c'est un beau retour aux sources. Pour moi, c'est un des jeux qui m'a plus marqué en fait. Parce que c'est un des premiers jeux auxquels j'ai fait. Donc je fais cette vidéo seul, mais j'aurais très bien pu la faire avec un de mes frères. Qui sont pas des grands fans de jeux. Seul, il faut pas le prendre. Alors, il faut prendre le guerrier, c'est alors, la femme qui elle, la guerrière, tout ça, qui eux ont un stock de potions beaucoup plus élevé. Maintenant, c'est bien à prendre quand on joue en multijoueur en fait. En deuxième joueur, c'est en fait le nain qui a la grande particularité, donc justement, pas consommer de sorte beaucoup. En gros, il prend ses 4 potions et puis il fait pas chier. Mais il fait beaucoup moins de dégâts que les autres attaques. C'est vrai qu'il me semble que c'est. Il fait beaucoup moins de dégâts. Parce que tout à l'heure, je suis aussi parti pour m'entraîner en quelque sorte. Alors, pour m'entraîner au départ, je vais faire une vidéo, mais ça a planté. Donc, j'étais obligé de recommencer. Non, je perds mon premier. J'avais pris donc le guerrier qui avait beaucoup plus de potions tout au long de mon game. Et j'avais balancé le potion que j'avais au maximum d'ailleurs. J'avais pété les petits ennemis en un coup et les plus puissants étaient morts en un coup. Ça reste vraiment moins puissant, peut-être plus rapide en une fois. Impression hein, peut-être. Donc voilà, on quitte cette zone, on va dans un village. Donc attention à ne pas tomber ici. Ce que je voulais dire, voilà. On peut tomber ici. C'est bien, c'est que les ennemis aussi. Ça c'est bien pratique. Hop, attends.
que je... Au départ, je voulais pas tomber, hein. C'est juste pour vous montrer. C'est un petit stratagème, il marche plutôt bien avec ses ennemis, sachant que... Bah, les directions coriaces encore, là, mais... Mais ils vont pas tarder à le devenir. Pas des étonnements puissants. Bon, c'est pas normal qu'il reste déjà plus qu'une fois. Tout à l'heure ici j'étais encore à 2 vies. Bon, faut dire aussi que je m'étais pas suicidé bêtement. Je me prends. Ah, il va y avoir des enfants et des femmes qui crient. Et normalement il y a les petits nains qui suivent derrière. Donc je vais pouvoir récupérer les 4 fioles bleues. Après les films.